Je m'appelle Marion Aubert, j'ai 29 ans et je suis en troisième année de bachelor management du sport au sein de l'école Wynn Sports School à Toulouse. Et je réalise cette formation en alternance au comité de tennis de Haute-Garonne. C'est un département où il y a 172 clubs, environ 25 000 licenciés. Le département le plus important de la Ligue Occitanie. Au sein du comité, je suis chargée de développement des pratiques au sein du département de la Haute-Garonne, donc notamment les pratiques du tennis, du paddle et du beach tennis. J'interviens à travers différentes missions, par exemple la création de contenus comme des bases de données et des supports de communication, à travers l'organisation d'actions et d'événements. Ses points forts, c'est sa réactivité dans le travail qu'on lui demande et son adaptation au quotidien au comité départemental. Marion, elle nous apporte déjà une ressource humaine supplémentaire parce qu'on est 6 salariés au sein du département. Donc ça nous permet de s'appuyer sur elle sur des nouvelles missions et surtout un regard nouveau. C'est quelqu'un qui connaît le tennis, donc elle nous apporte toutes ses compétences pour monter de nouveaux projets. Un souvenir que je peux partager, c'est les internationaux de Toulouse-Balma qui ont eu lieu en octobre dernier. C'est un tournoi qui est organisé tous les ans par la Ligue Occitanie de tennis et auquel j'ai pu contribuer et assister. C'est vraiment une période où on peut rencontrer de nombreuses personnes intervenant dans le sport, dans le tennis, et aussi on est au plus près des joueurs de haut niveau, donc on peut en prendre plein les yeux. Ma vision de l'alternance, c'est que ça permet de mettre en place une action aussi bien pour l'étudiant que pour la structure professionnelle. Je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Ça complète la formation de l'étudiant qui suit au sein de l'école et de cette troisième année. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une ressource supplémentaire. Donc je pense que les deux parties s'y retrouvent dans le cadre de cette alternance. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est avant tout de se renseigner sur les structures d'accueil sur lesquelles ils candidatent. Ne pas hésiter à innover, à nous proposer de nouvelles actions, à être acteur dans leur alternance et surtout oser venir vers nous et oser le changement au sein des structures. Pour mon avenir professionnel, donc mon projet c'est de travailler pour le développement et la communication de clubs sportifs ou d'institutions dans le domaine du sport.